Salut à tous, on est vendredi 5 mai. Hier, j'ai bien repris, ça s'est passé mieux que j'appréhendais, donc voilà, c'est cool. Hier soir, j'étais toute fatiguée, je me suis couchée à 21h30, j'ai dormi tout de suite et je me suis réveillée en pleine forme à 23h30. Voilà, bon, j'ai découvert l'ASMR et ça m'a aidée à me rendormir. Mais ce matin, j'ai raté le réveil, je me suis rendormie. Bon, rien de dramatique, Yann n'a pas eu besoin de venir me secouer. Voilà, là il est midi moins 10, je suis sortie vite pour aller chercher de la viande à la boucherie parce que finalement ce week-end il ne va pas pleuvoir, il ne devrait pas faire beau mais pour l'instant il ne devrait pas pleuvoir parce que la météo ça change tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc voilà, je suis de nouveau allée chez, enfin je vais là aller chez Sologne Frais chercher de la viande et bon voilà, j'espère trouver des trucs super sympas qui vont nous faire plaisir. Parce que la sœur de Johan, son chéri et les deux loulous viennent, ils arrivent demain midi ben, pour démonter et récupérer la piscine dont on veut pas quoi en fait sur notre terrasse. Donc ben, c'est parti, il faut que je me dépêche parce que j'ai faim aussi, il faut que je rentre manger. Bon, il est 8h moins le quart et je vous reprends que maintenant. On vient juste d'arriver à la maison. En fait, on est arrivé grosso modo vers 18h pour chercher les enfants au périscolaire. Et quand je suis arrivée, Martin était sur un canapé avec une grosse poche de glace. Voilà, il y a eu un accident de trottinette et il est méchamment amoché. Donc, il a un œuf là, comme ça, et puis un là. Et c'est assez impressionnant. Bon, donc on évite d'aller chercher des tomates. Je voulais faire absolument des salades ce soir pour demain, mais j'aurai le temps de les faire demain matin puisque en fait il n'ira pas au basket demain parce qu'il faut le surveiller, voilà, qu'il reste calme. Donc je les ferai demain, mais c'est vrai que voilà, je comptais faire ça ce soir pour l'emmener au basket. Donc bon, les courses sont faites, c'est déjà pas plus mal. Et on est passé chez le docteur, ben quand même pour savoir s'il pensait qu'il fallait que j'aille aux urgences quand même avec lui ou pas, parce que ben, on sait jamais quoi, c'est la tête quoi, on n'aime pas trop. Donc on lui a fait toute une batterie de tests. Il faut que je dorme avec lui cette nuit et puis voir s'il va bien. Donc là, il a été doliprané. Elle m'a fait chercher des comprimés d'arnica. C'est vrai que ça marche bien, on a la crème aussi, donc je vais lui mettre de la crème là-dessus, mais comme l'autre c'est sous l'œil, ben on va. Voilà. Je vais vous montrer. Bon, le pauvre, c'est vrai qu'il a bien mal. Hein. Donc j'ai pris pas mal de tomates. Toujours pratique les tomates. J'ai pris trois melons et ça je sais que ça va être réconfortant pour lui parce qu'il adore. Quand on est rentré, il y avait le food truck. On est passé devant le food truck, ils ont réclamé. Donc on avait prévu le repas pour ce soir, à savoir des pâtes aux épinards, toutes prêtes. Merci Leclerc. Mais voilà, on n'avait pas trop le cœur à leur dire non. Ils n'avaient plus rien, ils avaient tout vendu, ils ont été dévalisés. Ils nous ont quand même vendu deux portions de frites. Donc comme j'étais à la boucherie, prendre des nuggets, je vais mettre les nuggets de la boucherie. Dans l'air fryer et puis ils vont manger ça avec les frites. Hop. J'ai repris des petites framboises parce que vous savez que le soir j'adore manger ça. Et en plus elles sont super bonnes, elles viennent du Maroc, elles sont trop bonnes. Hop. J'ai pris, je savais pas combien de temps il restait, j'ai du mal à. On sera 8 à voir un peu les quantités. Donc j'ai pris pas mal de chipolata aux herbes. Moi, mon petit chat, je vais montrer ta tronche. Hein? Mon pauvre cœur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des brochettes d'agneau. Viens, là, ce que je vais faire, va te reposer, mon lapin. Oui, je vais montrer ta bosse. Ah, ça, je vais pas vous montrer parce que ça coule un peu. Ce sont des côtelettes de porc, mais la viande est super belle. Je vous ai fait des photos dans le magasin. Hop, les nuggets. Alors, bon, ça, évidemment, ça vient de chez Casino aussi. C'est écrit dessus comme le porc salut. Ça, c'est un saucisson et vous allez vous moquer, mais j'avais un coup de fringale cet après-midi au travail. J'ai mangé un bout de saucisson. Et oui, c'est surprenant.
Il y a une machine à sucrer, mais il n'y a que du sucré dedans. Et je sais pas, ils pourraient mettre un peu de salé pour les gens comme moi. Hop. Ça, qu'est-ce donc? Ça a une forme bizarre, je ne sais même plus ce que j'ai acheté. Ah, des chipots normales, parce que je sais pas, les cousins, s'ils mangent avec des herbes ou pas des herbes. Voilà, donc j'ai pris des avec des herbes et des sans herbes. Ça, ça doit être le saucisson habituel, le tout grand pour l'apéritif. Hop. Donc, ouais, bah ça, je sens que ça sent les nuggets. Raté. Ce sont les merguez. Pas fortiche, cette pas moi. Allez, là il y a deux paquets de nuggets, on va en garder un du coup pour ce soir, pour le grand malheureux. Voilà, elles sont super jolies. Hop, on va mettre ça directement au four. Je vais ranger, enfin, je vais directement mettre les nuggets à l'air fryer et puis ranger. Bah là, j'attends. Ah oui, je vais te montrer. Et puis donc du coup, ranger pendant que ça chauffe, qu'on puisse manger parce que j'ai super faim à 8h. Ça commence à faire une longue journée. Bon, alors je sais pas si ça rend bien, mais là voilà, la bosse, toujours beau volume, hein. Voilà, donc il y a tout le gros truc là, et le truc là, voilà, mon éclairage est pas top, mais c'est bien costaud quand même, hein, mon chat. C'est qui le plus fort? Pas moi. Bon, si, elle a pas cassé la tête, hein. On met les nuggets au four? Oui. Oui. Et voilà, juste pour revenir à la boucherie, c'est là, juste avant que je mette ça au recyclage. Tadam! Bon, allez, zou! Bon, le repas le plus réconfortant pour le guerrier cabossé, donc les fameux nuggets de poulet qui ont fini de cuire. On a réchauffé un petit peu les frites au micro-ondes. Et grand loulou et moi, on va se faire du coup qu'un seul paquet, il en restera un. Deux pâtes comme ça ira bien, on va sortir du parmesan et éventuellement il y a toujours mon fumier pour aller avec. Voilà, monsieur est satisfait. Bon allez, je vous reprends là, il est 22h, on a pris du retard, c'est vraiment pas grave. Martin va assez bien, je dois dire. voilà, il est un peu cabossé mais ça a l'air d'aller, je vais dormir avec lui parce qu'il faut que je le réveille cette nuit pour savoir si c'est comment toujours, enfin si c'est toujours comment il s'appelle et puis voir l'état de ses pupilles, mais ça devrait le faire. Voilà, pas de basket demain. Du coup, on n'est pas stress. Je ferai ce que j'ai à faire demain matin. Et puis, voilà, soirée inattendue comme c'est souvent avec les enfants, hein, soit on rentre, ils ont pris un coup, soit ils ont de la fièvre, soit ils ont vomi. Voilà, ça arrive à mon petit chat. Ouais. Bon, il aime bien jouer les victimes parce qu'il sait qu'il se fait cajoler. Hein. Bah ouais. Donc, voilà, on n'a toujours pas débarrassé la table, on est vraiment à la ramasse. Je vais vous faire de gros bisous, vous dire, je sais pas, demain, après-demain, je n'en ai aucune idée. On verra si on a des choses à raconter sur notre journée. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Salut!